passer à la cérémonie des vœux. Donc c'est la présentation des vœux au nom des associations par M. Ludovic Gambier, président du comité des fêtes. Si vous voulez approcher, Ludovic. Monsieur le maire, permettez-moi au nom des nombreuses et diverses associations rondinoises, de la cité du 8 et du centre, de vous présenter, ainsi qu'à votre épouse, aux membres du conseil municipal ainsi qu'à leur famille, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Des vœux de bonne santé pour vous-même et vos proches, que cette année soit pour l'ensemble de votre conseil municipal une année de réussite dans tous vos projets. J'ai le plaisir de constater cette année encore que de nombreuses personnes sont venues assister à cette traditionnelle cérémonie des vœux, preuve de notre attachement à Vendin-le-Vieil et à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour le bien de la commune. Puisqu'on est ensemble, et entre nous, je peux vous le dire, lorsque j'ai commencé à écrire cette allocution, j'ai pris le temps de relire celle que j'avais prononcée l'an dernier pour la cérémonie des vœux. Et je me suis souvenu alors, évidemment, avoir souhaité que 2016 soit une année moins marquée par la violence que 2015, qui s'était achevée tragiquement par les attentats de Paris. Hélas, bien obligé de constater que le climat de terreur était toujours omniprésent, nous avions encore été une fois touchés dans nos chairs et dans nos valeurs. Que le fait de vivre et penser librement pouvait être perçu comme étant un crime. Que les valeurs qui nous sont propres, à nous les associations, ces valeurs que nous défendons au travers de nos actions, qu'elles soient sportives ou culturelles, que ces valeurs puissent être réprimées de façon si radicale et inhumaine, je me suis posé un temps la question de savoir ce que 2017 allait me réserver. Mais s'il est humain et normal d'avoir de l'empathie vis-à-vis des événements tragiques qui nous touchent, il ne faut pas se laisser envahir par le pessimisme. Il faut croire à l'avenir, rester optimiste, prendre le temps de regarder les choses sous un angle différent, avec un œil neuf et sans aucun a priori. C'est à cette seule condition que nous pouvons continuer à avancer. Et vous l'avez bien compris, monsieur le maire, depuis longtemps. Alors que je cherchais l'inspiration pour écrire ce petit mot, je me suis plongé dans l'histoire de notre ville en retraçant les transformations qu'a connues notre commune ces 30 dernières années. Je peux vous citer par exemple la création du parc, de l'étang du parc des Fételles, la construction de la salle omnisport Roland Huguet, la rénovation de l'espace du 8 et bien d'autres réalisations dont profitent aujourd'hui largement les Vendinois au travers des associations et aussi à titre individuel. Certaines photos que j'ai pu voir mettaient en évidence la métamorphose de notre paysage avec l'amélioration des habitats et des infrastructures et de nos rues. Vendin a vraiment bien évolué. Il m'aurait été difficile de prendre conscience de ce changement sans prendre le temps de faire cette rétrospective. Parce qu'enfermé dans mes habitudes, avançant avec les transformations, je n'ai pas vu mon environnement évoluer avec le fil du temps. Ma commune s'est métamorphosée au gré des besoins de ses habitants, comme on voit grandir un enfant dont le caractère se forge avec l'expérience et en fonction de ce que lui réserve l'avenir. Vendin a su prendre ce chemin parce qu'elle a été développée avec bienveillance, avec le souci d'être heureux, avec la recherche du bien-être. C'est très certainement pour ces raisons que notre commune a vu sa population croître et que le nombre d'associations a plus que doublé depuis votre premier mandat. Et oui, effectivement, aujourd'hui on compte pas moins de 78 associations. Un visé clairvoyant, vous êtes vite aperçu que le pouvoir démocratique seul ne suffit pas en lui-même pour permettre l'épanouissement de la population et que le bon fonctionnement d'une société démocratique repose en partie sur l'engagement de son tissu associatif. Vous avez su faire confiance à ces hommes et à ces femmes qui œuvrent sans attendre en retour, uniquement parce qu'ils sont animés par une passion et l'envie de la partager. Nous connaissons l'importance des associations pour lutter contre l'isolement. Elles accueillent chacun d'entre nous, sans distinction d'âge, ni de religion, ni d'origine, pour se fédérer autour d'un même projet, créant la cohésion et le lien social bien souvent oublié. Je ne vais pas continuer. Alors ces personnes que l'on appelle les bénévoles, qui prennent sur leur temps familial, professionnel, pour investir dans la transmission de savoir et des valeurs à nos générations futures, nous vous remercions de croire en nous, et de mettre les moyens en face de vos convictions. Accompagné par vos services, vous avez permis et encouragé la naissance de tant de projets, qu'ils soient sportifs, culturels, artistiques ou solidaires. Au nom des sociétés locales, je tiens, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, à vous remercier pour l'intérêt
ainsi que pour la politique que vous menez en faveur de la création et de l'autonomie associative. Nous tenons également à remercier l'ensemble des services administratifs et techniques, représentés respectivement par Mme Kuchinski, directrice générale des services, et M. Fenn, directeur des services techniques, pour leur disponibilité et leur dévouement. Sachez que votre soutien est primordial au bon fonctionnement des sociétés locales et de leurs manifestations. Nous vous remercions de mettre à disposition votre personnel, vos salles et votre matériel, et bien souvent aussi votre patience. Merci également à l'ensemble du corps enseignant et à M. Dessen, directeur du service jeunesse. Vous êtes les partenaires incontournables dans la communication et la réalisation des manifestations qui s'adressent aux plus jeunes. Je profite de cette occasion pour souligner le travail et l'investissement de notre conseil municipal jeune, qui se montre très volontaire et très innovant. Nous n'oublierons pas de remercier le service communication, qui est l'outil indispensable pour que chaque Grandinois puisse trouver efficacement ce qui lui sera utile ou agréable, grâce à la parution gratuite de manifestations et actions dans l'agenda du magazine municipal Info-Vendin, sur le panneau lumineux ou sur le site de la ville. Et enfin, merci à vous, Vendinois et Vendinoises, qui répondez toujours présents aux manifestations. Vous récompensez par le plaisir que vous prenez nos efforts et nos engagements. Si tout cela fonctionne si bien, c'est parce que tout y est très bien coordonné, c'est parce que chaque acteur s'associe à l'autre à la façon d'un grand puzzle, où chaque pièce tient une place importante. Je prends l'exemple du puzzle parce qu'il a la particularité de décourager lorsque les pièces sont en vrac, qu'il est bon à jeter lorsqu'il ne manque ne serait-ce qu'une pièce, mais qu'il devient, avec l'envie profonde d'y arriver, la patience et le temps, quelque chose de splendide quand on arrive à la fin. C'est pourquoi il est indispensable de souligner l'importance de chacun d'entre nous, pour que nous soyons élus bénévoles, membres de bureaux ou présidents d'associations. Rien n'est possible les uns sans les autres. Rien n'est réalisable sans cette politique du respect de chacun que vous défendez, Monsieur le maire, depuis tant d'années. Je conclue en souhaitant que nous poursuivions cette année 2017 en nous tournant ensemble vers l'avenir avec le même optimisme, avec la même envie de progrès et de bien-être. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous souhaite encore une excellente année. Présentation des vœux au nom du personnel enseignant par Madame Christelle Capin, accompagné de Léa, élève de CM2. C'est un honneur de nous retrouver devant vous pour cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux. Des vœux de bonheur, de prospérité, de joie et de fraternité. Le mot fraternité, inscrit dans notre devise républicaine, sur le fronton de chaque mairie et de chaque école, n'est pas un vain mot. En effet, la fraternité joue un rôle capital dans notre société et commence à l'école. L'école de la République transmet aux élèves une culture commune de tolérance mutuelle et de respect. Chaque élève y apprend à refuser l'intolérance, la haine, le racisme et la violence. Depuis l'école maternelle, les élèves sont initiés au débat à visée philosophique. Les citoyens de demain sont invités à s'exprimer, à argumenter, à débattre. C'est quoi être heureux? Ça sert à quoi un chef? Qu'est-ce qu'un ami? Ou encore, c'est quoi être libre? La transmission des savoirs et l'éducation à la citoyenneté reste une nécessité et une priorité. Mais l'enfant doit aussi apprendre à s'investir personnellement, à raisonner, à oser s'exprimer, et en cela, les enseignants aident à tout moment chaque élève à étayer, à défendre ses idées. Avec le concours de la Ligue de l'enseignement, nous participons chaque année à l'action « Jouons la carte de la fraternité ». Ainsi, des cartes postales écrites par des élèves sont envoyées comme des bouteilles à la mer à des personnes dont le nom est tiré au hasard dans l'annuaire du Pas-de-Calais. Chaque carte comporte un message de fraternité réalisé dans le cadre d'un atelier d'écriture
à partir d'un document photographique. J'invite Léa à nous lire, à vous lire quelques-uns de ses messages. Je m'appelle Léa. Je suis en CM2 à l'école Jean Jaurès. Pour moi, la fraternité, c'est aider cette dame qui vit seule avec pour seule compagnie son chien. Dans une maison peu entretenue, faute d'argent. Sa maison aurait besoin d'être rénovée pour améliorer son quotidien. J'ai l'impression que sa famille l'a abandonnée. Elle et son chien ont juste assez pour se nourrir. Dans le mot fraternité, il y a le bon frère. Il nous faut aider ensemble les familles en détresse. La fraternité, c'est le contraire de l'abandon. Riche ou pas, rassemblons-nous dans les épreuves difficiles. Chacun de nous peut aider quelqu'un. Refusons le racisme et l'intolérance. Frères du monde, rassemblons-nous dans l'amitié, tous ensemble, pour rire. C'est normal, nous sommes identiques. Gardons ces mots, tolérance et égalité. Ainsi, nous essayons de préparer les élèves à réfléchir, à refuser la haine, à accepter les idées des autres, à faire vivre la laïcité et les valeurs de l'école et de la République. Dans la période de crise sociétale que nous traversons, favorisant le repli sur soi, nous sommes témoins depuis des mois de manifestations violentes de rejet de l'autre dans sa différence, quelle qu'elle soit. On a vu ressurgir dans les médias les dernières figures du bouc émissaire, le migrant, le noir, le rom, enfin l'autre, celui qui est différent. Dans ce climat social détérioré, où l'exacerbation des individualismes met à mal le vivre ensemble, il est plus que jamais impératif de travailler avec les enfants sur leur propre représentation de l'autre et de remettre à l'ordre du jour des valeurs de tolérance et de respect qui doivent être à minima celles du citoyen responsable. À l'aube d'échéances électorales décisives, j'ai souhaité souligner, en compagnie de Léa, le sens républicain et laïque que nous donnons à la fraternité, valeur qui est au fondement de notre pacte social. Au nom des collègues enseignants, je vous présente Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les élus, tous mes voeux de joie, de bonheur partagé et de fraternité. Présentation des voeux par Mademoiselle Lilou, maire du conseil municipal jeune, accompagnée de Monsieur le maire. Chères Vendinoises, chers Vendinois de toute génération, le conseil municipal des jeunes vous présente ses meilleurs voeux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2017. Le conseil municipal jeune se réunit régulièrement et met en place des projets et des activités pour que notre ville reste dynamique et accueillante. Et au nom des conseillers et écoliers de Vendin-le-Vieil, qui aiment leur ville, encore une très bonne année à tous. Des vœux par Monsieur Didier Hel, maire de Vendin-le-Vieil. Merci Guylain. Si vous permettez, mesdames et messieurs, chers amis, avant de commencer la cérémonie des vœux, en tout cas c'est la partie qui vous concerne, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus avant moi. J'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter l'école de musique, parce que c'est une des prestations que vous avez entendues tout à l'heure. Bien sûr, il y avait les professeurs, mais vous avez bien remarqué qu'il y avait aussi des enfants, des jeunes de Rue, vraiment des enfants très jeunes, vous avez remarqué. Remercier le président du comité des fêtes, Ludovic, pour la justesse de tes propos. Mais je reviendrai tout à l'heure pour votre action.
remercier Christelle, la directrice de l'école élémentaire Jean Jaurès, qui parle au nom de ses collègues, pour ses propos justes et qui a rappelé ce que c'est que la fraternité. Si vous avez bien écouté avec beaucoup d'attention, voilà le discours qui était pour moi très important et symbolique. Alors, permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble des personnalités qui me font l'honneur et l'amitié d'être présentes ici ce soir. Je salue particulièrement mes collègues maires élus des villes voisines ou leurs représentants. Maryse Lou, on n'a pas tout à fait la parité ici ce soir. Vous verrez qu'en éducation nationale, c'est pareil. Donc Maryse Lou, maire de Hingue, hein, je vous précise pour ceux qui vous auraient, en fait, vous le savez. Alain Lefebvre, maire d'Aix-Sulette, un vieux compagnon de route. Jacques Bozac, maire de Ménifontaine. Daniel Delcroix, qui l'aura un temps maintenant. Ah, mais il est là. Bonjour, c'est le président. Donc, Daniel Delcroix, qui est le maire de Berthelot, qui est aussi le président du SIAF. Nous en sommes là pour ce midi, pour que mon ami de Loison, Daniel Kruchka. Alain Zabot, qui est le nouveau maire de Estevelle. Bon courage. Mais, tu verras, vous m'entendez comme moi, on s'habitue à tout. C'est fou, hein, on s'habitue à tout. On s'appuiera sur votre expérience. André Kuchinski, hein, mon voisin, mon camarade. Hein. Jean-Michel Dupont, hein, qui est le maire de Douvrin, qui va avoir un collège. Grâce à notre intervention, il y a quelques jours. C'est vrai. Yves Tirlock, qui n'a pas osé avancer, hein, le maire d'Adèle. Voilà. Je voudrais vous dire, mes amis, toute la fierté que j'ai de travailler avec vous. Que ce soit au SISIAF, j'ai oublié, mais... Philippe du Génois. Non, c'est simplement pour savoir si vous signez. Je le refais plus jamais. Je vous parie que quand je vais me présenter aux vœux, à tes vœux, hein, tu vas m'oublier. Oui, je voulais vous dire le plaisir que j'ai à travailler avec vous depuis de nombreuses années, pour certains, des dizaines d'années. Parce que vous savez, mesdames et messieurs, jamais personne ne dit que le maire travaille dans sa commune. Nul n'est prophète en son pays. Et moi qui travaille avec vous, au SISIAF, qui travaille au département, qui travaille à l'intercommunalité, je sais le travail que vous faites. Nous étions encore en réunion ce midi. Nous étions encore en réunion hier midi. Alors vous allez dire, ouais. Moi j'ai dit comme ça ils peuvent manger pour rien. Par exemple, mesdames et messieurs, vous savez pourquoi on fait les réunions de midi? Parce que c'est le seul moment où on arrive à tous se rassembler. Hein, et croyez bien que quand vous sortez du repos, c'est même pas ce qu'il y avait au menu parce qu'on a tellement discuté qu'on n'a rien vu. C'est vrai. Bon, je viens de toujours qu'est-ce qu'on a mangé. Et c'est la vérité. Bien. Revenons aux choses sérieuses. Je souhaite. Je voulais excuser aussi Nicolas Davis, il est en réunion à l'Assemblée. Je souhaite à chacun d'entre vous une belle année 2017. Une année de réussite professionnelle, culturelle, sportive, associative et bien sûr personnelle. Je profite de cette cérémonie pour vous remercier tous pour votre engagement et votre investissement en faveur de notre commune et de ses habitants. La ville ne doit pas être une simple juxtaposition d'hommes et d'équipements. Ce doit être un état d'esprit. Le bien vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement, la convivialité, la proximité, l'appartenance qui fait que chacun se sent véritablement un habitant de notre commune. L'élu local ne doit pas être seulement un bâtisseur, il doit être un fédérateur d'énergie et pour cela, créer l'intelligence collective. Depuis quelques mois, l'échiquier politique mondial a été fortement ébranlé, que l'on habite aux USA, au Royaume-Uni ou en France. Les séismes sociopolitiques n'en finissent pas de se multiplier. Un fossé abyssal s'est creusé entre deux mondes qui représentent aujourd'hui deux idéologies prêtes à se livrer à une guerre sans merci et sans précédent. La France ne demeure pas en reste dans l'application de ces lames de fond, d'autant que les mois à venir verront une remise à plat de la bonne politique française à travers les trois élections majeures que nous allons vivre, à savoir la présidentielle, les législatives et les sénatoriales. Devant les éléments sanglants que nous avons connus, qui, manifestement, ont troublé notre société,
Face à cette remise en cause violente de nos valeurs républicaines, il faut agir à la base. Il est donc primordial de défendre la laïcité. La laïcité, c'est d'abord une histoire de liberté et d'égalité. Méfions-nous de ceux et de celles qui y font souvent référence dans leur discours, mais dans lesquels il n'est jamais question de garantir à la fois la liberté de conscience et la neutralité républicaine, mais qui utilisent plutôt cette laïcité comme un levier contre l'immigration. C'est l'école publique, ses élèves, ses enseignants qui portent notre espoir d'un monde meilleur. Aussi, soyons présents, actifs dans les débats qui concernent l'école. Que notre priorité soit l'aboutissement d'un être épanoui, libre et responsable. L'État a consenti des efforts pour améliorer la réussite des élèves, malgré une baisse d'effectifs. 60 000 postes auront été créés, et en particulier à destination des élèves en difficulté, et c'est tant mieux, car c'est vers eux qu'il faut porter tous nos efforts. Soyons vigilants et évitons de voter au présidentiel pour un candidat qui veut supprimer des milliers de postes de fonctionnaires, dont font partie les enseignants, les infirmières, les pompiers, la police et bien d'autres encore. Veillons à ce que les fondements mêmes de notre modèle social, que sont les services publics, la protection sociale, le système éducatif, ne soient pas pilonnés par de beaux parleurs qui évoquent la suppression d'emplois, l'augmentation du temps de travail, la régression éducative, assurant à coup sûr des lendemains de bourreaux. La ministre de l'Éducation nationale a voulu que les nouveaux programmes s'inscrivent dans un projet global s'adressant à tous les élèves, plus attentifs à la totalité de leurs expériences d'apprentissage, en s'appuyant davantage encore sur la compétence des équipes pédagogiques. Il est essentiel de s'intéresser à la formation de la personne et du citoyen. Les événements terribles que nous vivons tentent à prouver que, sans réussite scolaire, les tentations sont grandes de trouver ailleurs un idéal utopique. À Vaudanvieille, nous mettons toute notre énergie pour favoriser l'éducation au sens large, car comme disait Confucius, de l'éducation naît la confiance, de la confiance naît l'espoir, et de l'espoir naît la paix. Battons-nous pour l'éducation à la paix. L'éducation a trois intervenants majeurs. En premier, les parents, en second, les enseignants, en troisième, la municipalité accompagnée par les associations. Les élus, se doivent de traiter ce qui relève de leurs compétences et en l'espèce l'organisation scolaire, car l'école est bien plus qu'un service public, elle est un marqueur de la République. Notre principale motivation doit être la recherche de la qualité dans l'intérêt de l'enfant. La municipalité est toujours soucieuse de mener satisfaction tant sur l'aspect sécuritaire que sur l'aspect matériel, ce qui nécessite un investissement humain conséquent. Nous avons poursuivi cette année notre politique de rénovation des classes, carrelage, peinture, meubles, équipement, à hauteur de 90 000 euros. Nous participons également à de nombreuses réunions avec monsieur l'inspecteur, que je salue, et les directrices. C'est là que je parlais tout à l'heure d'égalité hommes-femmes. J'ai dit directrice parce que nous n'avons plus que des directrices. Je n'ai rien contre, au contraire. J'en ai épousé une. Et bien donc, nous participons également à de nombreuses réunions de monsieur l'inspecteur et les directrices pour évoquer l'élargissement des fonctions de l'école en matière de rythme scolaire, de l'émergence de la compétence numérique, qui sont autant d'éléments importants à considérer, tout comme le temps du transport, sans oublier les ressources locales en matière d'activité périscolaire. Je souhaite à cette heure remercier particulièrement tous celles et ceux qui s'investissent directement ou indirectement au niveau des temps d'activité périscolaire. Nous employons actuellement 54 personnes pour cette DAP, dont les activités viennent en complément de celles de l'école. Et je ne vais pas vous les citer parce qu'on s'en vraiment très très nombreux. Merci à tous ceux qui s'en occupe, et James, j'aimerais que tu transmettes ces remerciements à l'ensemble des équipes. Nous attendons avec impatience la réalisation de la médiathèque Centre de loisirs, qui nous offrira un éventail supplémentaire d'activités et de nouvelles commodités de fonctionnement, que met au point Mme Ferrand, la responsable que nous venons de recruter.
À une époque où triomphe l'égoïsme, la médiocrité, je tiens à remercier ceux qui œuvrent avec détermination, énergie et courage pour édifier une société tolérante et solidaire. C'est pourquoi, au niveau de notre commune, plus que jamais, notre projet éducatif s'articule autour des questions d'éducation et de culture. Je ne remercierai jamais assez l'ensemble des sociétés pour leur assistance. Merci, Monsieur le Président du Comité des Fêtes, pour vos propos. Soyez assurés que nous serons à vos côtés, avec nos services, comme nous l'avons toujours. Vous contribuez, comme je l'évoquais précédemment, à l'éducation du citoyen, en particulier à la vie en société, avec tous ses avantages éducatifs. Lors de l'élaboration du calendrier des fêtes, nous avons pu constater le nombre impressionnant de manifestations organisées par les 72 associations royales. C'est ça, 72 ? Bon, ben, j'ai mal entendu, c'est l'âge. On va sur ensuite. C'est primordial dans un monde qui isole, bouscule, agresse. Bondelvieille a, depuis 2014, dépassé les 8000 habitants. Le mouvement associatif et les équipements municipaux mis à disposition ont fortement contribué à cette augmentation de la population. Cette augmentation des associations et de leurs manifestations implique des investissements en finances, en locaux, de plus en plus significatifs. Nous essayons, de façon raisonnable, de leur donner satisfaction dans la mesure de nos moyens humains, financiers et de nos capacités en locaux. Cette année verra le dépôt de permis de construire pour la médiathèque Centre de Jeunesse, pour l'aménagement de l'ancien Lidl, Cité 8, qui accueillera le Vendin Athletic Club, les médaillés du travail, l'Association des grands évasures, les donneurs de sang, ainsi que les manifestations exceptionnelles. Il y aura aussi donc le dépôt de permis de construire pour la réalisation de vestiaires d'un clubhouse au stade Schaffner. Les locaux libérés seront attribués à deux autres sociétés. Cette année, il y aura également la réalisation d'un grand parking face à la salle Guimolet, Cosette. Les travaux effectués avec en priorité le souci de sécuriser les abords du collège et du collège. Ils viennent en complément de ceux de l'année dernière concernant les quais pour les autocars scolaires. La rue Candolé sera donc rénovée et sécurisée du feu tricolore à la rue Armand. Comme vous l'aurez compris, mon équipe et moi-même, je ne travaille pas seul, et je m'adresse à la fois aux élus, et je m'adresse aussi à mes services administratifs et techniques, mon équipe et moi-même sommes engagés, pas pour faire de ce mandat une ambition personnelle, mais parce que nous avons de l'ambition pour le mandat pour lequel nous avons été, nous, élus. Une volonté d'aller toujours de l'avant, volonté de combativité pour des idées et des projets partagés. Merci à tous pour votre présence à cette cérémonie de présentation des vœux, même si chacun est persuadé que ces vœux ne sauraient modifier la réalité. Souvent on les espère, comme des marques de reconnaissance, d'estime, voire d'affection, que l'autre continue de nous témoigner. C'est pourquoi je souhaite à tous une bonne année, jalonnée de moments de plaisir, de partage et d'amitié. Merci de votre attention.